Ozobeta maboko, ozobeta mololo, ozotombo la kombo de Yesu na motema na yo, ozondi melanzambo ya restitution na tombo alelo. Acclame le Seigneur. Il est là. Il est là. Il est là. Accueille-le dans sa présence. Entre devant sa présence. Alléluia.
to bani likolo kokotato na bone o kombo kokona yo
na bomo ija kurabala shikebele kurabolo shindeleke kurabala shikebele kurabolo shindeleke kurabala shikebele 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 kurabala shikebele. Merci pour la manifestation de ta puissance au milieu. Merci parce que tu es notre victoire. Merci parce que tu es notre victoire. Merci parce que tu es notre victoire. La victoire appartient à l'Éternel. 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 La restitution appartient à l'Éternel. La restitution appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. C'est toi que nous acclamons. C'est toi que nous acclamons. Avec des cris de joie. L'Éternel, notre victoire. L'Éternel notre victoire. L'Éternel notre victoire. Reçois mes acclamations. Ce matin je veux dire. Ce matin je vais proclamer. Que la victoire appartient à l'Éternel. Ce matin je vais proclamer que le monde invisible m'écoute. Que le monde invisible m'écoute. Au Kabaï, Yendai, Yondo Boshaka, la victoire appartient à l'Éternel. Ma guérison appartient à l'Éternel. Mon relèvement appartient à l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ce matin. Gloire à toi pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé. Mon ami. Je t'imagine que tu es debout. Parce que c'est pour cela que nous sommes en cet endroit. Je t'imagine que tu fais la réussite de ce culte pour toi-même. Si c'est ça, ta motivation, je veux qu'un culte réussisse ce matin. Que ce culte réussisse à ma faveur. Tu tiens ton offrande. Nous te disons merci pour ton serviteur. L'archibishop Coutinho Fernand. Avec lequel tu as fait alliance. Tu es un Dieu qui ne s'arrête pas en cours de route. Mais quand tu pars, tu chemines. Jusqu'à l'accomplissement de la chose. Jusqu'à l'accomplissement de ta parole. Digne es-tu. Obongi. Prends toute la gloire. Nous te bénissons. Toi le Dieu de l'archibishop. Nous bénissons ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton peuple. Merci parce que tu prends soin de ton peuple. Ton peuple. Que tu t'es acquis au prix de ton sang. Merci. Matoni. Cela est manifesté par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous bénissons l'armée de victoire. Touche-nous encore. Agis encore en nous. Comme au jour de la Pentecôte. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. L'Église dit trois fois Amen. Amen. Amen.
Amen. On acclame encore le Seigneur. Tobeti maboko pona nkolo. Acclame le roi des rois. Betela makonzi na makonzi maboko. Acclame le Seigneur des seigneurs. Betela nkolo na bakolo maboko. Amen. Amen amen. Je salue papa Bishop Pomboko. Papa Episcopo Pomboko. Je salue maman Adeline. Na pamboli maman Adeline. Soyez bénis. Bo pambola ma. Je salue le pasteur. Na pamboli ba pasteur. Je salue les anciens. Bampaka. Les diacres. Ba diakono. Je salue les bergers. Na pamboli ba berger kuna. Je salue les papas. Je salue les mamans. Na pesi ba mama mbote. Je salue les jeunes. Na pesi mbote na bilenge. Je salue les enfants. Na pesi mbote na bana. Même les nourrissons. Ata ba baza na mabele. Soyez bénis. Bo pambola ma. Nous sommes dans l'armée des victoires. Tozana kati na mapinga nelonga. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux là? Avec le choix. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mon ami. J'ai une bonne nouvelle. Nazana sangomokwa. À pouvoir vous annoncer. Pona kopé sabino. Alléluia. Amen. Ce que moi je vais confirmer ce matin. Oyonga na kotato na tongo lelo. Que la victoire appartient à l'Éternel. Nous les femmes, nous venons d'une grande montagne. Où à cette montagne, nous à une convention. Où à cette convention, nous avons parlé de David. Comment il a tout perdu. Et avec l'Éternel. Comment il a tout récupéré. David. Dans sa pensée. Il voulait la communiquer au peuple de Dieu qui est avec lui. Peu importe le temps de stress qu'ils ont passé. Le temps de désert qu'ils ont passé. Le temps des problèmes qu'ils ont passé. Tous étaient dans des problèmes. Tous étaient assujettis dans des problèmes. Et en fin de compte, ils voulaient maintenant tuer David. Parce qu'il se disait, ces malheurs qui nous arrivent, à cause de toi, parce qu'on est en train de te suivre. Bien aimé, c'est lorsque quand David va rester seul, la Bible dit qu'il va prendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est ce message que nous avons développé à la convention. Les femmes ont fait ça. Elles ont écouté ce message. En s'appuyant sur l'Éternel. En cherchant l'Éternel. Et Dieu a fait des grandes choses. Au dernier jour, le Seigneur nous a confirmé que la victoire ne vient pas d'un homme. Peu importe le combat qui peut être nos combats. Mes bien-aimés, nos regards doivent être fixés vers celui qui a dit que je combattrai pour vous. En fin de compte, David a dit au peuple tout ce que Dieu nous a donné. Nous devons apprendre à partager à tout le monde. Et ça sera une part égale. C'est-à-dire, selon que chacun viendra, c'est selon que le Seigneur va lui répondre. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. La part égale, c'est la grâce de Dieu. David voulait que le peuple comprenne que cette victoire que nous venons de remporter, ça ne vient même pas de nous. Nous nous avons été que les instruments choisis par Dieu pour faire éclater sa gloire. Quel est cet homme qui a le pouvoir de tout perdre et il a encore un autre pouvoir de tout récupérer? Qu'on se le dise, c'est seulement par l'Éternel.
C'est seulement par l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi je pars encore. Ce matin, pendant que je me préparais pour ce culte, le Seigneur veut qu'au travers de mes paroles, par son Esprit Saint qu'il est au milieu de nous, que ces paroles parlent dans le cœur de quelqu'un. La victoire. Elonga. La victoire. Elonga. La restitution appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui le fait. Mais ce qui est important, il faut qu'on l'accepte. Notre foi doit agir. Amen. Amen, amen. Trois fois la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Paul a dit une parole. Paul a lobi maloba moko. Je parlais. Nalobaki. Parce que je cru. Pwetenga nandimi. La foi, elle est importante. Kondima, eze loko na motuya. Pour celui qui veut que l'Éternel combatte en sa faveur. Pona moto nzambe alingi abundelaye. Pona moto nzambe abundelaye. Bien-aimé. Vous avez les salutations de l'homme de Dieu. Ah, mbote yango wana yamba mbote ya moto na Papa Archi salue tout le monde. Papa Archi apesi mbote na moto nyonso. Alléluia. Amen, amen. Il vous salue. Apesi mino mbote. Et nous sommes en communion avec lui. Est-ce qu'on peut rendre des actions de grâce à notre Dieu? Molingami beta maboko lokomo ezonge pa na nzambe na biso. Acclame le Seigneur. Salango bien. Acclame le Seigneur. Salango bien. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Et nous sommes debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Mais peut-être le Saint-Esprit voudra parler différemment. Par rapport à toi-même. 1 Samuel chapitre 17. Samuel Aliboso, Mokande Azomina Sambo. Car à partir du 4e verset. Kobanda Namolongo Yaminei. Nous y allons jusqu'au 11e verset. Toko Kendekino Namolongo Azomina Moko. 11e verset, après nous prenons le 16e verset. Soki totiki moko zomi na moko toki na zomi na motoba. Enfin, nous allons évoluer petoko pusana au 24e verset. Toko zoa molongwa tukumi bale na mine. Après, nous continuons à évoluer. Sima to tamboli lisusu. Merci Saint-Esprit. 32e verset. 33e verset. Nous sommes des lecteurs de la bonne nouvelle. 45e verset. 47e verset. Jusqu'au 50e verset. Nous devons apprendre à lire la parole de Dieu. C'est cette arme-là que le diable utilise pour nous mettre de la compréhension dans la compréhension de notre victoire. Bien-aimé, je bénis cette parole. Je la lis pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'écoute pas ton amen. Je lis pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, un homme est sorti alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête, était un casque de rein. Et il portait une cuirasse à la caille du poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand.
Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il peut me tuer, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Et nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de Sé Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Jésus. Et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé, en âge. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux qu'on fasse la lecture du verset 16. On peut faire la lecture d'ensemble. On y va. Le Philistin s'avançait matin et soir. Encore, s'il vous plaît. Le Philistin s'avançait matin et soir. Encore, s'il vous plaît. Le Philistin s'avançait matin et soir. Alléluia. Et il se présenta pendant 40 jours. Merci beaucoup. M'attendez. Que Dieu vous bénisse. Moi, je continue la lecture. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Je continue ma lecture. Verset 32. David dit à Saoul: que personne, ne se décourage. Que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur, ira se battre avec lui. Jésus. Que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur, David, ira se battre avec lui. Parce que ce matin, on cherche un homme. On cherche une femme. Je suis là. Saoul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Nani mutayebi siyo. Alléluia. Amen, amen. Verset 45. David dit aux Philistins:
tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Mais moi Emi Koutino, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée, de l'armée de victoire, du Dieu de la famille de Koutino Fernando, que tu as insulté. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, Lelo, l'Éternel te livrera entre mes mains. Entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Yéka, et toute la terre saura que Emi Koutino, que Koutino Fernando, que l'armée des victoires Jésus. Et toute cette multitude, Jésus saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que Yahweh sauve. Que Yahweh sauve. Jésus. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Jésus, il vous livre entre mes mains au nom de Jésus. Notre victoire avec les cris de victoire. Namolo. Avec des fruits de victoire. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.